Eh bien salut les amis, c'est Carmeno, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Non, je n'ai pas abandonné cette série, j'ai vu certains de vos messages qui me disaient « Carmeno, t'as arrêté, tu feras plus de Luigi's Mansion ?» Si, je continue, c'est juste qu'en ce moment, bon, mon planning il est un peu n'importe comment parce que genre, il y a des trucs qui pop un peu n'importe quand et on n'est pas trop au courant à l'avance. Genre, il y a le héros qui est arrivé sur Smash Bros, il y a le nouveau jeu Yukawa sur mobile, etc. Et comme ça arrive, genre, ça chamboule un peu mon planning, mais non, j'arrête pas Luigi's Mansion. En plus, vous aimez bien cette série, donc on continue. Mais juste un truc, c'est que j'aimerais quand même terminer Luigi's Mansion, enfin, bien entendu, avant que Luigi's Mansion 3 sorte. Et Luigi's Mansion 3, il sort quand même le 31 octobre, donc vous en faites pas, Luigi's Mansion 2 sera terminé avant que Luigi's Mansion 3 sorte. Pas de soucis, je veux pas dire le jour même, hein, il finira peut-être pas le 30, hein, il finira probablement bien avant. Mais voilà, j'ai quand même jusqu'au 31 octobre, je me dis, pour le terminer, donc ça devrait le faire. Hein. Bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti. On continue, la quête de la lune noire, et on va au niveau poussière étoile. J'ai une mission capitale pour toi, nous débarrasser de ces vilaines toiles d'araignée. En plus de nous empêcher de progresser, elles abîment les meubles. Ça tombe bien, parce que ça fait longtemps que je voulais ça. Il s'est passé quelque chose au manoir du désespoir, quelque chose de tout à fait inattendu. Et, il faut bien le dire, quelque chose de peu ragoûtant. L'endroit est envahi par les araignées, et elles ont refait toute la décoration. Il y a des toiles partout, aussi collantes que répugnantes. Elles sont apparues d'un seul coup. Ce n'est pas naturel, je y vois une nette influence paranormale. Si ça continue comme ça, on ne pourra même plus rentrer. Tu dois te rendre sur place et nettoyer toutes ces toiles avec l'Ectoblast 5000. Pendant ce temps, je vais faire tout mon possible pour découvrir ce qui a pu causer cette invasion. Allez, c'est parti, on se télépixelise dans le manoir et il va falloir se débarrasser de ces toiles d'araignée, je crois, en les faisant flamber d'ailleurs. Ce qui m'a l'air absolument une très mauvaise idée, sachant que le manoir il est quand même en bois. Pourquoi pas, ne faites jamais comme Luigi. Enfin, on va peut-être pas faire ça, mais si on fait ça, ne faites jamais comme Luigi en tout cas. Jamais détruire les toiles d'araignée au feu. Déjà, je suis pas sûr que les toiles d'araignée ça brûle. À mon avis, ça doit faire peut-être comme des cheveux, j'imagine. Ça se. Enfin, les cheveux ça brûle, mais généralement, quand tu les chauffes, ils se. Enfin, ils s'enroulent quoi. C'est. Enfin, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait assez de matière pour faire brûler les toiles d'araignée en vrai. Je sais pas. Je pense que ça la désagrège immédiatement. Bref, qu'est-ce qu'on cherche là? Il y a un truc à trouver ici? Là, il y a une toile d'araignée. Ah! En fait, on est juste là pour se débarrasser des toiles. Quoi? Parfait. Salut! Très bien. En fait, je dois juste me débarrasser des araignées. Enfin, juste me débarrasser des araignées. Vous avez vu la toile, enfin, la taille de ces araignées? J'aimerais pas les rencontrer, en vrai. Hein. Il y en a pas d'autres? Ah, il y a une toile d'araignée là-haut. Ok. Ah, c'est bon! C'est ça, donc dans chaque pièce, je vais devoir me débarrasser de toutes les toiles d'araignée. Et il faut aussi que je trouve le meuble secret. Parce que dans le meuble secret, normalement, il est censé avoir bout. Je vous m'avais dit, il y a un bout par niveau. Enfin, par mission, plutôt. Je peux y aller. Oula, oula, oula! C'est une salle complètement optionnelle, et genre, il y a des fantômes méchants. C'est mauvais signe, non? Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais... D'accord. Il faisait n'importe quoi, enfin pourquoi il était monté comme ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces trucs là? Ah, il y a encore des fantômes, ok. Non, pourquoi j'en ai eu qu'un? Non. Voilà, c'est mieux. Quand on les a par deux, c'est quand même bien plus rapide. Quand la salle elle vient comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de boue dans la pièce, si? Je crois pas, hein. Normalement, je devrais pas venir ici, mais je sais pas, je me disais... on n'est jamais à l'abri qu'il y a un bout planqué dans le coin, mais... J'étais déjà venu ici? Ça me dit rien, cet endroit. Oh, what? J'ai bien fait d'y venir. Ok. Ah, what? Ah, d'accord. Ah, bah non, j'ai très bien fait. Ok, y a rien là-dedans. Ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment rien dans le coin. Mais non, bah tant pis. Oh, attendez, c'est des billets là que je vois, non? Non, c'est pas des billets, ce sont juste des haies. Je vois de l'argent partout, moi. Bon, dans tous les cas, on n'est pas venu ici pour rien. On a quand même trouvé une gemme et c'est plutôt pas mal. Gemme que j'aurais pu avoir depuis longtemps, en fait. Mais bon, tant pis, je sais rien. Je vais pas aller dehors, par contre, enfin derrière, parce que là, normalement, j'ai déjà eu le... Ok, j'ai déjà eu la gemme qu'il y avait là-bas. Y a rien là?
Non. Il m'attaque plus. Oh oh. Oh 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 oh. Qu'est-ce qu'elles font les araignées? Elles m'attaquent même pas. Ah, elles arrivent, elles arrivent. Non. Non, non, non. Ah, bah c'est barré. Il y a une autre toile d'araignée là. Elles sont où les autres? Bon, je crois que c'est là-bas. Ah, ici, il y en a une sur son pied. Oh mince. De toute façon, c'est simple en fait. Les statues qui ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il y a une toile d'araignée. Ok, et la dernière. Voilà, c'est bon. On a un peu de mal à les voir comme les toiles d'araignée, ou c'est comme moi. Vous allez dire, c'est que toi, Carbendo, tu vois pas clair. Oui, c'est vrai. Alors, à droite, on va d'abord faire cette pièce. On va faire toutes les pièces en bas. Hein. Qu'est-ce que... Ah oui, si. Je me souvenais plus ce que je cherchais. Voilà. Il n'y a pas d'araignée? Bon, ça me dérange pas quand il n'y a pas d'araignée. Hein. Non, non, non. Alors, le reste des toiles d'araignée doit être de l'autre côté, non? Non, j'en vois plus ici. Donc ça doit être de l'autre côté, là-bas. Voilà, effectivement. Allez. Mais qu'est-ce que... Mais... Ah, mais j'avais déjà appuyé dessus, ça servait à quoi? Il y avait juste de l'argent qu'on sortait, je crois, c'était ça. Là-haut, non? Non? Quoi? Ce qui m'intrigue, par contre, c'est que j'ai vu aucune araignée dans cette salle. Ah, il y en a une là. Juste là. J'ai toujours l'impression que ce sont des lustres, en fait. C'est bon, c'était la dernière? Non? Là-haut. Là-haut. Oui. Non, mais c'est pas ça que je veux. On veut pas les vêtements. Voilà, parfait. Ouf. Donc, pour une fois, Luigi se sert de son aspirateur pour réellement faire quelque chose dont dans la vraie vie, on se sert un aspirateur. Ah. Voilà, ça, c'est un petit peu plus intéressant. Donc, normalement, il faut cramer avec ça, non? Voilà. Et là, on peut... Oula, oula, oula. Faut faire flamber ça. Alors, ne faites jamais ça, les enfants, quand même, parce que la maison, elle est quand même vieille. Oh, d'accord. Donc, la maison, elle est vieille, elle est en bois, en tissu. Donc, si vous faites un truc pareil, genre, c'est certain que vous allez faire cramer toute la maison. Et ce serait quand même une très mauvaise idée, non? Je veux dire, elle doit quand même coûter assez cher, cette maison, non? Ce serait mieux de pas la faire flamber, hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. Là, il y avait... Il y a peut-être des gemmes, c'est pas grave. Toile d'araignée, toile d'araignée. Là, non, non. Ouf, ah oui, ça c'est une sacrée toile d'araignée aussi. Très bien. Parfait. Donc je récupère ceci. On va le refaire flamber. Allez. Ok, j'ai trop de mal à le faire monter, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, je peux le faire monter que quand j'aspire. Ah, c'est ça. Ok, c'est pour ça que ça marche pas très bien. Franchement, Luigi, il a du courage quand même, parce que tenir une boule de flamme comme ça sans que, enfin, sans que ça le fasse flamber, j'ai du mal à le croire. Et mince, il y avait encore des trucs à cramer. Ok, à chaque fois, j'achète trop vite. Pourtant, il n'y a même pas d'ennemis. En plus, je sais même pas pourquoi chaque fois je me dépêche de l'acheter. Ça sert absolument à rien, mais j'ai envie. Ok, non, c'est trop loin. What? Ok. Et tous ces trucs-là, ça compte pour une toile? Et ouais, chacun d'entre eux compte pour une toile. C'est un peu de l'arnaque, quand même. C'est ça que je voulais la dernière fois, non? Ou alors, je m'en étais déjà occupé de ça, je sais plus. Wow. Bon, bon c'est pas grand-chose, hein. Pour en avoir 20. Ok, merci bien. Alors, mais il y en avait un dans lequel il y avait une gemme, hein. Bref, là, je pense que je pourrais pas m'occuper de toute la salle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Il est là, le bout. Voilà. Elle est là-haut, la gemme, non? Ouais, elle est là. Mais je sais pas trop comment on y va. Probablement dans cette mission, on verra bien. Parfait. T'es où? Quoi? Ah, non. Faut d'abord s'occuper de toute la pièce, alors, je pense. Et maintenant? Il y en a encore? Ok. Vas-y. Le dernier. Ouais, parce que ça elle fait un peu vide la pièce, donc effectivement c'est bien plus logique comme ça. Oula, oula, ces trucs là, c'est trop embêtant que ça nous fasse des dégâts. Ah, c'est bon, le voilà. Comment je fais déjà, je sais plus. Chouette, une nouvelle qui vient d'arriver, qui va bien s'amuser, hein, c'est qui? C'est Bowling. Oula là là là. Alors,
Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, il faut l'avoir sur la langue, c'est ça? Oui. Et comme ça, tu le fais rebondir. Et ça lui fait des dégâts, mais pas suffisamment. Voilà, faut l'avoir plusieurs fois. Oh, what? Quoi? Ah, il se recache dans un meuble, c'est vrai. Ok, t'es où? Oh, oh, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mince. Mais il me faut ces trucs-là. Quoi? Il les a mis où? Dans la porte? Ça veut dire quoi? Qu'il s'est barré de la salle? Je sais pas s'il peut se barrer de la salle comme dans Luigi's Mansion 1. Peut-être, peut-être pas. Il est où? Il est... Mais quoi? Il se cache dans tous les trucs? Mais là, j'ai vu. Je l'ai vu apparaître. Je sais plus comment on fait pour les avoir rapidement. Parce qu'en fait, s'il fait que de changer de meuble, ça va être compliqué de l'avoir. Il s'est remis là-bas, il n'y avait pas un meuble. Oh, il est là. Oh là, oh là, ok, très bien. Non, c'est pour savoir quel chemin il a suivi. Oh, je me souvenais plus à quel point c'était relou les bouts, en fait. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que... Il faut l'aspirer maintenant. Après, en plus, je crois qu'il se réveille si jamais tu t'en occupes pas assez vite. Bon, on a eu le bout de ce niveau, mais on a absolument pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire que j'ai capturé un bout, je suis au courant, hein, catastrophe. Fantastique, je me réjouis que tu sois parvenu à capturer ce petit voyou. Les bouts sont difficiles à voir tant qu'ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Ils ne deviennent visibles que si leur cachette est découverte. Les bouts se ressemblent, mais chacun d'eux a sa personnalité propre. Tu devrais essayer de tous les capturer. Oui, si on les laisse se regrouper, ils risquent de causer des problèmes. Ouais, je pense qu'ils vont finir par le faire, ça. Alors, oui, ça je l'ai aperçu juste au dernier moment. J'ai vraiment peur de louper une toile d'araignée là. C'est quoi ça? C'est un piano, mais y a pas de toile d'araignée dessus? Non, on dirait pas. Bon, allons voir à droite. Ah, c'est pour monter là, non? Ah, c'est la pièce pour monter. Bah non, 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 je vais pas y aller maintenant. Ah, quoique, je peux sortir. De toute façon, il y a des toiles d'araignée dehors, non? Là. Ou alors c'est à l'étage. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Quoi, il y a des trucs violets? Ça veut dire qu'il y a des bouts, non? Enfin, il y a des fantômes. Pas forcément des bouts, mais des fantômes. Oui, il peut pas y avoir d'autres fantômes. Enfin, il peut pas y avoir d'autres bouts, vu que je l'ai déjà battu, celui de ce niveau. Oh, oh, c'est nouveau, ça. Il doit donner beaucoup d'argent. Généralement, si c'est doré, c'est que ça donne beaucoup d'argent. Oh, oui, 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 très bien. Ah, oui, non, non, laisse-moi ramasser, quand même. Parfait. Non, et ça? Non, c'est pas ça, c'est le flash. Ouais, merci. Là, il y a une porte. Ah, mais c'est la porte qui ramène dans le couloir où on était. Ça m'est égal, ça. Ok. Quelques petites pièces, mais... genre, vu le nombre de pièces que j'ai, c'est pas les 5 pièces que je vais ramasser là qui vont me changer grand-chose. Non, non, enfin, allez, ouais, j'ai exagéré. Les 10 pièces. Oh, là aussi, il y en a un qui a disparu. Mais ça sert à quoi, donc, de les faire réapparaître? C'est peut-être juste pour chercher le bout, genre à partir du moment où t'as déjà trouvé le bout, ça doit... Ah, ouais, ça c'était pour la gemme. Ouais, bah si, en fait, ça peut servir à quelque chose. Ok, oh, 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 non, ça fallait l'avoir. Ok, très bien. J'ai failli le laisser partir. Ça aussi, il y avait un truc quand tu le faisais tourner, non? Oui, il y avait une gemme, non? Ou de l'argent? Oui, c'était probable. Ah, si, c'est toujours de l'argent. D'accord, ok, très bien. Je me demande, en fait, comment il fait pour aspirer le lingot d'or, quand même. Parce que le lingot d'or, il doit quand même peser son poids, hein. Genre, Luigi, pas mal, pas mal. Je vais avoir besoin d'argent. Enfin, non, je vais avoir besoin de vie, plutôt. De l'argent, oui, mais ça, j'en ai toujours besoin. Mais de vie, parce que je suis qu'à 65 heures. J'ai l'impression qu'on ne récupère pas beaucoup. Après, je fouille pas beaucoup l'environnement. Genre, c'est vrai que... Enfin, si, 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 en fait, si, j'ai récupéré pas mal de trucs, mais pas assez, on va dire. Oui, 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 oui. Parfait. Oh, si, ça, c'est bien. Bon, je préfère l'argent, quand même. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, non, non. Il s'est planqué. Attendez, ça, je vais d'abord me débarrasser de ces trucs-là, parce que c'est assez insupportable. Il était là, non? Il est où? Là-dedans? Ok, allez, allez, allez. Parfait. Et il y a son pote, normalement ils sont deux. Je sais pas où est parti l'autre. Oui, il doit être à droite, non? Il était pas là? C'est bon, parfait. Je crains que ce ne soit pas le dernier. Pourquoi lui il m'a donné que 3 pièces? Ah si, c'est bon, c'est fini. Il y a la salle en dessous. Attendez, juste avant, je vais quand même aller m'occuper de cette salle-là, parce que là, il y a la gemme, normalement.
Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Enfin, normalement, hein. Non, c'est juste du feu. Oh, c'est pas une gemme, c'est juste du feu, d'accord, ok. Un peu déçu, je dois bien l'avouer. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres toiles d'araignée, hein. Genre là-haut. Ok. Et là-haut, de l'autre côté aussi. J'aurais peut-être fini cette pièce. C'est bon, parfait. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord dehors. Ouais, je vais d'abord aller dehors. On en est à 22 sur 43, c'est tout? J'ai l'impression qu'il n'y a plus que 3 pièces dans lesquelles il n'y a rien. Ah si, il y a le deuxième étage aussi où il y a des problèmes. Ouais, mais comment je vais faire? J'ai pas de feu, moi. De l'autre côté. Ouais, va falloir faire le tour. Et c'est de l'autre côté qu'il y a du feu, je crois. Parce que je ne pense pas que je pourrais de toute façon ouvrir les portes avec la toile d'araignée. Donc non, 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 non. On fait le tour. Mais on n'y est jamais allé au deuxième étage, je crois, ici. Ça va probablement être la première fois. C'est quoi là-haut? Ouais, une caméra. Ça, par contre, j'y suis déjà allé. Oui, j'y étais déjà allé la dernière fois. Et en plus, il n'y avait pas... Enfin, oui, j'étais bloqué. Je m'en souviens. Ok, parfait. Ouf, ça c'était obligatoire. Bien, alors, oui, c'est comme ça qu'on l'allumait. Oui, et maintenant, il me faut ceci. Oh là, non, non, non. Quoi? Ça l'a cramé. Oui, viens ici. Alors. Ouais. Ah, c'est vrai, je dois l'allumer et après je dois le lâcher. Je m'en souviens. Je crois que j'avais mis du temps à le comprendre, ce truc. Je sais pas pourquoi, mais la première fois, j'avais mis vraiment longtemps à le comprendre. Et il y a une toile d'araignée là-haut, non? Oui, avec un lingot. Parfait. Il y avait une boule là, ouais. Oh non. Non, 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 non. Oula, oula, oula. Bon, ok, j'en ai eu deux. Oh, c'est pas grave. Je préfère quand elle se sauve. Je préférais ça plutôt qu'elle m'attaque. 26 sur 43, mais c'est chaud quand même. Là-bas, il va y avoir un truc derrière. Je pense même pas, en plus. Non, ça a rien du tout. Donc, il y a une toile ici. Oula, oula, ok. C'est pas toi que je voulais, mais pourquoi pas. Yes! Bon, bah, il nous reste plus que... Bah non, sur cet étage, les deux salles. Et après, il faudra monter. Mais je pense qu'on se rapproche du boss. Hein. Quoi? Ah, par ici. Le boss, ce sera peut-être le prochain niveau. Parce que sinon, je crois qu'on en a fait le tour, là, de toute façon, de ce manoir. Je vois pas trop ce qui nous manque. À part ça. Oh, oh, au moment où il manque que 5 PV. Bien. Oh. Là, il y a de quoi faire. Eh, salut. Bien. Il n'y en a pas d'autres, des dorés, là? Non. Oh, oh, oh. Elles ont le don, quand même, de descendre au moment où... Quoi? Ah d'accord, ok, merci, j'ai pas fait exprès, mais très bien, très bien. Elles ont le don de descendre à chaque fois au pire moment, ces araignées. Hein. Parfait. Après, elles finissent par partir elles-mêmes. Mais quand elles partent, d'ailleurs, elles finissent par redescendre, je crois pas, non, elles disparaissent. Vas-y, toi, je t'avale. Alors, ouais, là, faut ça. J'ai même pas fait exprès pour le tableau, en plus, c'est ouf. Bah, ça tombe bien, hein, parce que justement, j'en avais besoin pour avancer. Et là-bas, ah, ok. Il y a plus de feu. Si, ah, fallait attendre que le feu revienne. 31 sur 43. C'est un gros ménage de printemps quand même là, ce qu'on fait. Hein. Est-ce que je m'occupe de ça maintenant? Ah, ça va permettre de monter, je crois. C'est une trappe. Ouais, mais on n'y va pas maintenant. Attendez, mais il manque des toiles. Où ça? Peut-être là-haut, peut-être que c'est considéré comme la même pièce là-haut. Non, c'est pas ici, c'est... Mais quoi? Ok, salut. Là. Ouais, voilà, là il y a aussi tout à faire. Hein. Salut. Le pauvre fantôme, il dormait tranquille. Et voilà, je l'aspire. Oh là, oh là. Après, c'est pour leur bien. Hein. C'est parce que d'habitude, normalement, ils sont gentils, ces fantômes. C'est pour les ramener à la raison. Ok, parfait. C'est bon, non? Non. Si, c'est bon. Alors, ouais, mais ça, je le mets sur quoi? Ah, ça, non. Oui.
Ok, parfait. Ça c'est pas intéressant. Ok. Mais oui, il y avait la gemme derrière. Bah c'est bon, on va l'avoir maintenant. Quoi? What? Comment je fais là? Ah, ok! Très bien! Ah, c'est ingénieux! Mais pourquoi elle compte pas? Ça aussi, c'est une toile d'araignée. Pourquoi ça compte pas de le détruire, cela? Vas-y, viens-toi. Ok, parfait. Bon, j'ai eu la dernière gemme. Il manque quand même pas mal. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai jamais récupéré toutes les gemmes du jeu. Je crois que j'ai déjà récupéré toutes les gemmes du premier monde, parce qu'elles sont vraiment pas difficiles à trouver. Et après, j'ai eu la flemme sur ma partie la plus avancée de faire le reste. Ok. Ah mais là, on est grave riche. On va forcément avoir une amélioration dans ce niveau. Il m'en reste plus que 6. Oula, oula, qu'est-ce que... Waouh. Ok. Je pense qu'on peut tomber là, non? C'est à la gyroscopie? Oula, oula, oh, oh, d'accord. Oula, ça paraît méchant ça, non? Enfin, c'est méchant, mais comment j'aurais... Ok, fallait juste que je rush, en fait. Ok. Pourquoi j'ai besoin de feu? Probablement la grosse qui est juste à côté. Ouais, je peux pas y aller? Ah non, non, faudra sûrement faire le tour. Bon, on va d'abord aller voir là-bas. C'est quoi ça? Rien du tout. Juste une toile d'araignée. Bon, 41 sur 43, ouais, c'est très bien, mais... Je pense qu'il m'en reste quand même une dans l'autre pièce. Oh, il y a une gemme! Mais c'était impossible de pas l'avoir, celle-là, non? Il fallait le faire exprès. Je suis sûr que j'en ai loupé d'autres évidentes. Hein. Il y a de grandes chances. Yes. Alors, ça aussi, ça se brûle. Et voilà, bah ouais. Parce que là, j'ai fini cette pièce, donc effectivement, ce qui me manque, ça doit être dans la pièce d'avant. Mais je suis sûr que c'est sous mon nez, je l'ai pas vu. Genre, à mon avis, vous êtes pas privé de me le dire en commentaire. Non, mais c'est bon, c'est la dernière, je vais la voir. Pauvre Luigi. Ok. J'imagine que oui, ça doit faire peur. Après, je pense qu'il tombe. Pff, de toute façon, il n'y a pas de dégâts de chute, Luigi, dans ce jeu aussi. Non, je crois même pas. Allez, on descend. Et où est-ce qu'elle est? Ah bah, juste là. D'accord. Elle était vraiment juste à côté, quoi. C'est bon, on a fait un beau ménage de printemps, là. Bah, voilà, c'est fini, non? Ok, je me disais quand est-ce qu'il va m'appeler. Oula, j'ai embarqué avec moi mon stick. Alors, ça m'a fait trop peur. Bravo Luigi, sans cette toile, le manoir va pouvoir retrouver tout son lustre. Malheureusement, nous avons un problème plus urgent sur le bec Benzen. Ça s'écrit comme ça, Benzen? Pendant des années, j'ai dit bec Benzen. Bah ouais, en cours de chimie, je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Ok. J'ai découvert l'endroit d'où venaient ces araignées. Je t'expliquerai tout dès que tu seras de retour ici. Télépixelisation imminente. Et enlever toutes les toiles d'araignée. Pouf! On a fait un beau ménage de printemps. Félicitations, Luigi. Et en plus, on a récupéré quelques gemmes au passage, donc très bien. Très bien. Ok, énergie perdue pas mal quand même, c'est dommage. Donc j'aurai encore que 2 étoiles, hein. Au max, au max. Ok, d'accord, j'aurais pu en avoir qu'une seule. Bon, j'ai eu le bout. Avoir tous les bouts, je crois par contre que je l'avais fait ça. C'est vraiment les gemmes. Gemmes, je sais pas, j'avais pas trop eu le courage. Je sais même pas trop pourquoi. Ou peut-être que j'avais fini par le faire, je m'en souviens plus. Parce que j'avais vraiment pas voulu utiliser de Solus. Pour Luigi's Mansion 2, j'avais vraiment voulu faire tout ce que je pouvais faire sans utiliser de Solus. Et je finis toujours à un moment par me dire, bon, c'est bon, maintenant j'utilise une Solus, et je crois que j'ai vu la flemme pour Luigi's Mansion 2. C'est tout. Alors, dis-nous tout, toi. Content de te revoir, mon garçon. Est-ce que tu as capturé de nouveaux fantômes? Oui, et j'espère qu'on va avoir une amélioration, d'ailleurs, avec tout l'argent qu'on a eu. Ça serait cool, quand même, hein. Nouvelle gemme, une gemme champignon. Ok, il y avait un rond et ouais, ça... Enfin, la... Ah oui, ça c'est un nouveau fantôme. Effectivement, nouveau bout. Ah non, ah non, 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 on est encore loin là. Effectivement. Quoique pas si loin que ça, hein. Un niveau de plus et c'est plié.
pas le boss. Le boss il donnera probablement pas assez d'argent. Ça m'étonnerait quand même que le boss il donne à lui tout seul 700 pièces d'or. Peut-être, hein, mais je pense pas. Pendant que tu nous débarrasses de cette étoile d'araignée, j'ai fait une découverte capitale. J'ai isolé un signal paranormal particulièrement puissant émanant des profondeurs du manoir. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit ni pourquoi l'occultographe ne l'a pas détecté plus tôt. Mais je sens que ce signal a un lien direct ou indirect avec l'invasion des araignées. Malheureusement, établir l'origine précise du signal n'est pas une mince affaire. Mais dès que j'aurai réussi, et je vais réussir, je t'enverrai sur place pour enquêter. Ok, et bah les amis, quoique... Attendez. Voilà. Voilà, l'entre de la bête. Et bah écoutez, on fera ça la prochaine fois, et pas que ça, je pense que le boss il nous prendra pas 25 minutes, donc on fera le boss, c'est un niveau de plus. Donc eh bien, si cette vidéo sur Luigi's Mansion 2 vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite, donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, salut !